Alors, cette télé d'ici Port du Week-end a une saveur particulière, d'autant que c'est la première de la saison 4. Elle a aussi une autre saveur particulière. On fait réunir ce soir autour de la table quatre figures clés de la musique urbaine ivoirienne. Deux acteurs majeurs du coupé décalé, Ariel Chele, Safarel Obiang, et puis deux acteurs clés aussi du rap, Made in Côte d'Ivoire, Fior de Bior et Black K. Et le dernier cité sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici, nous rejouera son dernier titre en date, l'hommage à Sadio Mané. D'ailleurs, on lui demandera pourquoi il a chanté Sadio Mané, pourquoi il n'a pas chanté, par exemple, un joueur de l'Africa Sport, de la SEC Mimosa ou du Sakrabutu Sport, je ne sais pas. On lui posera forcément la question. Dans tous les cas, il y aura une belle confrontation ce soir. Quelqu'un disait que le coupé décalé n'est pas facile. Le rap aussi, franchement, ce n'est pas trop facile. Voilà. Vous le comprendrez certainement d'ici la fin de cette émission, dans cette télé d'ici Porte du Week-end, l'essentiel du feu et du savoir. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici Porte du Week-end, ils sont nombreux à attendre ce rendez-vous tous les vendredis 18h30 pour tester nos invités, pour découvrir l'autre visage de nos invités, de ces people que vous affectionnez dans leurs registres respectifs. On reçoit tantôt des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des miss, des hommes politiques, tiens, des ministres qui se sont affrontés autour de cette table et je peux vous dire qu'ils ont failli en venir aux mains. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de revoir, mais sinon c'est encore disponible en replay sur YouTube. Je n'oublierai pas cet instant-là, Miss Belmondogo et Anne Oloto qui ont failli se battre, Don Vahi et Mamadou Touré qui ont failli se battre. La télé d'ici ce jour-là ressemblait à un ring de boxe. Fior de Bior, ça va? Il respire d'abord. Ouais. Ça peut aller. Ça peut aller. On peut commencer l'émission? Ouais, vas-y. On peut. Ça va ou pas, Ariel? Comme toujours. Il est mort de rire. Ça, c'est le... D'accord. AS, c'est ça? Non, c'est pas l'autre, là, t'inquiète. C'est pas... Non, non. Ils n'ont rien compris, apparemment, dans le game. Non, ils n'ont rien compris. Hein? Bon, c'est bizarre. C'est un peu comme... ça me rappelle... Nous, on varie aussi. Non, non, il a porté un T-shirt avec deux marques. On va les citer, d'ailleurs. Adidas et Gucci. Mm-hmm. Ah ouais, on peut? Oui, on peut, oui. Bien sûr, c'est l'info. Ah, d'accord. C'est de l'info. Donc Adidas et Gucci. Et donc, des gens ont fait une capture d'écran avec le commentaire Maman Vie. C'est quoi ça? Genre, bon, nous, on peut lâcher les trucs Gorgui, mais pas toi. Tu as fait ça? Mais c'est une vraie collab. C'est un vrai logo, en fait. C'est une collaboration Adidas et Gucci. Mais je pense. Ouais. Au final, je pense que j'ai bien fait, parce qu'il y en a qui ne savaient pas. Donc. Oui, bien sûr, donc ils découvrent. Mais c'est comme la ministre Kandia Camara qui, une fois, dans une vidéo, a dit le débroussaillage. Mm-hmm. Donc les gens ont récupéré l'extrait, ça s'est passé partout. Mais comment une ministre de l'Éducation peut parler ainsi? C'est pas du français et tout, mais en fait, c'est du français. Ça existe. C'est que c'est ça même, en fait. C'est ça le mot, quoi, débroussaillage. Il n'y a pas de déblème. Non, c'est ça. Ça va ou pas, Saf le King? Tranquille, ça. Merci d'être là. Comment tu te sens après le sacre du Palais de la Culture? Ouais, un peu fatigué, petit palu qui me fatigue deux jours là, mais à fond, il tombe. Ouais, mais tu es indu. Forcément. Ça va aller, non? Le sac n'est pas trop lourd? Mais ça aussi, ça n'arrange pas les choses. Hein. En fait, si le sacre n'est convalescence... pas lourd, le sac est lourd. Non, mais c'est lourd, tu vas vite guérir. Ah bon, ça va, ça va aller. D'accord, Black, ça va ou pas? Black, ça va, ça va. On vous a opposé, vous êtes un peu assorti, jaune... enfin, or, couleur, or, noir. Ouais. Allez, ouais. Gênez-toi, on aurait dû vous mettre dans la même équipe. Non, mais non, ça ne va pas marcher comme ça. On s'est appelé. Ça aurait pu être plus facile aussi, on met des gars du coupé décalé. Il a dit Adidas, il a dit non, on ne faut pas faire ça. Et ouais, ça. Tu veux avoir coupé décalé là. Non, coupé. Non, t'as gâté le truc. Non, en fait, toi, tu es un peu hybride. Tu es dans coupé décalé, mais un peu dans le rap aussi. Moi, je suis hors série. Ah, hors série. Ouais, moi, je suis HS. Non, pas hors service, hors série. Tu fais du chaîné. Il fait du chaîné. L'actualité de Fior de Bior, c'est ce concert. Ce samedi, 1er octobre, par la culture. C'est bon, tu es prêt? Ouais, tranquille, tu connais. C'est le Bumarada, c'est le Saint-Esprit. Donc, je profite pour véhiculer un message. Là, au Saint-Esprit aussi? Et si tu dois véhiculer un message, il faut monter dans un baka ou bien dans un bus. J'ai vu un véhicule, tu dois. Ben, c'est ça. Le message part.
D'accord. Donc tu véhicules le message. Willyki Djonjon, c'est le dernier concept. C'est oui, quoi Willyki cette John affaire ouais. C'est l'affaire de Willyki. Willyki Djonjon, j'ai dit quoi. D'abord, tu es levé pour. Donc Willyki Djonjon. C'est que deux fois Djonjon. Si tu es dans Yop, tu es dans Pau. C'est une affaire. Bon, regardons Willyki Djonjon là. Hein? On va mieux comprendre. Juste un extrait de Willyki Djonjon. Hein? Willyki Djonjon annoncé pour le Palais de la Culture, ce sera son premier Palais de la Culture en tant que tête d'affiche du concert. Ça va démarrer à quelle heure? Bon, 16h, tu vois. Mais l'artiste, le Saint-Esprit vient à 19h30, 20 par là. Il va descendre quand le journal télévisé commence en même temps, en fait, je vais mettre mon petit la scène en même temps. D'accord, ok. Tu as levé mon robot en bas, lui qui fait les gestes là. Que mon corps fait le journal. Ouais. C'est moi, en même temps, on monte le concert. Ah, ok, le langage, d'accord. Ok. Alors, Blacka, toi, tu as choisi, par contre, de rendre hommage à Sadio Mané. Oui. Qu'est-ce qu'il a pas mangé? Ah, c'est... Non. Et il n'a pas eu de chance, en fait. Il a sorti Sadio Mané. Oui. Sadio Mané est passé dans notre club, c'était ça, ou il y avait un truc? Non, mais est-ce que c'est par rapport au club? Oui, mais en fait, tu lui rends hommage pourquoi, Sadio Mané? Non, parce que c'est un gars, il est bien. Alors, la vraie explication, c'est quoi? Parce que Sadio Mané, si vous connaissez son parcours, c'est un gars, il est humble. Tout à fait. Et c'est un bosseur, tu vois. C'est ça. Et je dis dans la musique que je ne vais pas laisser tomber comme Sadio Mané. C'est un gars qui est en train de, demander pardon à sa goût, en fait. Mm-hmm. Tu vois. Ah, et il okay. dit, ah, je ne vais pas te laisser tomber, en fait. Je vais aller au fond jusqu'à... C'est ça. Le, toi, le clip est disponible depuis un mois sur YouTube, notamment. Yes, pour ce que je sais. On va regarder un extrait, justement, de Sadio Mané, signé Black K, avant que de le retrouver live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici Port du Week-end. Je t'aime taper comme Rihanna. On se parle plus, je te fais du mal. Quand t'es pas là, je suis malade. Yeah, yeah. On s'habillait en costa. Robe de soirée, on était content. Puis notre amour, il était constant. Puis notre amour, il était costaud. Yeah. Black K dans la télévision Port du week-end. Black K, il est tellement soft dans sa façon de chanter que tu te demandes est-ce qu'il peut rentrer dans les clashs, les punchlines. Ça fait bizarre quand même. Non, moi, il fait pas ça. Oui, mais tu imagines un peu. Ouais, mon vieux. Par contre, dans ce clip, il y a ça va pas trop. À ton papa. Ouais, ouais, ouais. La partie où mes maris, là. Exactement. Donc, c'était Bazana, non? Tu comprends. C'était ton anniversaire il y a quelques jours, là. Bah, hier. Yeah. D'accord. Bon, joyeux anniversaire. Merci. Merci d'être là. Viens, là, tu m'as dit un truc. Ouais. On dit qu'on la Côte d'Ivoire, à quel âge de jour, là? 62 ans. Quelques mois. 62 ans. Donc, c'est dit qu'elle est vieux. Dans son gâteau, là, qui mange? Qui mange le gâteau? Bon, déjà, il n'y a pas eu de gâteau, effectivement. Il faut qu'on ait un gâteau. Il y a mal qu'il pense à ça, la coupure, tout ça. Il va se... Tu vois, il pense à ça. OK. J'ai été fasciné par le tout dernier clip de Ariel Chené. Très beau clip avec Koffi Olomidé. Merci. Qui l'a produit, ce clip? Il s'appelle Christ Film. OK, d'accord. Il est très beau. On va le regarder et puis on en parle quelques secondes juste derrière. Toffolé avec Koffi Olomidé. Alors, c'est un clip rythmé, coloré, dans différents univers. Alors, la rencontre avec Koffi, elle se fait comment? Et ça a été tourné où, d'ailleurs, ce clip? Ça a été tourné au Congo, à Kinshasa. La rencontre s'est faite après... La rencontre s'est faite sur Internet, hein, je veux dire. Après, mon titre Amina, il a kiffé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé même des vidéos sur le son. Donc, je n'ai pas hésité de lui dire... Bon, viens, moi, j'ai un beat, là, on fait comment? C'est ça. Je l'ai envoyé. Au départ, on était parti sur un truc rumba. Mais j'ai dit, pourquoi pas prendre mon coupé décalé pour aller... J'allais te poser la question. Ouais, ouais, parce que fait, de toutes les collaborations de Koffi Olomidé avec les jeunes artistes ivoiriens, généralement, c'est eux qui se fondent dans les attentes de Koffi Olomidé. Toi, c'est vraiment du coupé décalé. Ça a été quand même difficile parce que le vieux, il est rumba. Il ne faut pas qu'on monte. C'est pourquoi, dans la transition, on a essayé de mettre un peu de rumba. Et c'est puis, ça. On a, d'accord. Donc voilà, c'est... C'est une belle œuvre, c'est très bien. Merci. Félicitations, en tout cas. Alors... Malheureusement, je suis au regret de vous rappeler encore une fois que Safarel ne se sent pas bien. Il sort d'un palu consécutif à son succès à la salle Anomabo. Et il nous le révélait à demi-mot. Son sac est trop lourd, donc sa convalescence est toujours de mise. Et comme visiblement il a décidé de ne pas se défaire de son sac, j'ai bien peur que sa convalescence ne perdure. Je propose quand même qu'on fasse un petit bond en arrière, pas très loin que ça. On va aller visiter un peu ce qu'il a fait là, hein, à Anomabo. Salle comble, ça donne ça. Thank you.
t'a pris combien de jours de répétition en préparation de ce concert? Deux semaines. Deux semaines. Ouais. Tous les jours. Combien d'heures par jour? Peut-être 8 heures comme ça. C'est quoi quatre le plus... heures, on se repose, 4 heures, on se repose. C'est quoi le plus difficile dans ça? Le plus difficile, c'est quand... Moi, je pense que c'est quand ça a fond propre, comme je l'ai fait. Mm-hmm. Sans sponsor. En même temps, tu es le sponsor, tu es le financeur du concert, tu es ça. Le promoteur, tu es l'organisateur. En même temps, tu es l'artiste vedette. D'accord. Mais je m'attendais aussi à ce que tu me dises. Ouais. C'est aussi de repenser les chorégraphies, parce que c'est un concert Safarel. On s'attend à de nouveaux pas. Si. Ouais. Oui, ça aussi. Tu le fais toi-même ou tu te fais quand même aider aussi d'autres chorégraphes? Oui, avec mes chorégraphes. Okay. Avec mes chorégraphes, pas d'autres chorégraphes, ceux qui travaillent avec moi. D'accord. Voilà. C'est une équipe de combien de personnes dans l'écurie, Safarel? Pour un tel concert? Pour un tel concert, ouais. Je pense 30 personnes. Ok. Oui. D'accord. 30 personnes, avec les musiciens et tout. Il y a une chose à laquelle tu ne t'attendais pas, en fait. Je vais te poser la question. Est-ce que tu t'y attendais ou pas à l'apparition d'Ariel Chéné sur scène? Non. Ce n'était pas une mise en scène? Non. J'ai pensé à tout sauf ça. Pourquoi? Parce que vous étiez toujours en palabre à cette époque-là? Il n'était pas gamé sur lui. Gamé, ça dit quoi? On va traduire pour ceux. Parce qu'on est suivi partout dans le monde. Hein. Ah. Il y a une CI inter et tout. Donc, il n'était pas gamé sur lui. Il ne faisait rien à lui. Voilà, j'étais pas. Bon, c'est pas truc, il n'était pas dans mes priorités. On a toujours cru que c'était du buzz de toute façon. Hein. Mais c'est ça, vous croyez toujours? Ouais. Oui. Non, si vous placez tout de suite là, vous avez vous. Ah, ça non, veut dire que ça peut se. Non, on l'a déjà fait dans les points du week-end. Ouais. Donc, Vahim, Mamadou Touré, Miss Bermond, à nous le tour, on ne veut pas un troisième palabre. Hein? Laissons ça. On va regarder justement cette apparition surprise d'Ariel Chéné ce jour-là, sur la scène du concert de Safarel. Question rapide, réponse rapide. D'abord à Safarel, là tu vois un gars qui débarque, qui a une cagoule, tu penses à qui tout de suite, honnêtement? D'abord mon cœur était chaud parce que à cause de lui, mon concert s'est arrêté. Ouais. Il a dit, mais bon, dans ma tête d'abord, j'ai pensé que c'était un boucantier. Il venait faire mise en scène, donc il était déjà énervé. C'est ça. Parce que bon, c'est vrai, c'est un bienfaiteur, mais si tu veux faire, viens faire vite, à quitter là, on continue le spectacle. Ouais. Viens pas faire scénario, film de Jack Bauer pour nous donner. Ouais. Donc d'abord, il était un peu fâché là, comme ça, voilà. Tu vois comment je le regardais déjà, de haut en bas. Et puis, je voulais enlever pour lui dire ces quatre vérités. Bon, il a vu que c'était lui et puis c'était devant Jamanan. Donc ça a versé six mois. C'est ça. Il a tué le discours. Il était mort. Voilà, il était content. OK. Il pensait à tout le monde sauf lui. OK. Ouais, il pensait naturellement à tout le monde sauf lui. Ouais. Sauf lui. À quel moment tu décides de faire ça, en fait? Je veux dire, c'est mon équipe, hein. Mon équipe, et franchement, je veux dire merci à ma femme parce qu'elle m'a dit si je ne vais pas au concert, là, elle ne me parle plus. C'est ça. Franchement. Elle était assise là, à la place de Sonia. Voilà, elle me l'a dit clairement et j'ai exécuté, j'ai vu le retour. Okay. Moi, franchement, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est ça. C'est très bien, mais moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce soir, on a décidé de revenir à votre querelle d'hier. Ce soir, vous n'êtes pas amis, vous êtes adversaires, puisque vous allez vous affronter. C'est la télé d'ici part du week-end. Et j'attends de vous que vous ne vous fassiez pas de cadeaux. Il me faut des noms de groupe pour démarrer. Vous y avez pensé? Azalaka Penou. Attention. Azalaka Penou. Isa Agbavia. Il a pas écrit ta palé. Voilà, Isa Agbavia. Agbavia. Azalaka Penou. C'est faible. Attendez. Agbavia. Quittez la main. Quittez la main. La réponse est quittée là-bas. Non, c'est pas ils ont oublié. C'est gâté où? C'est gâté, mais c'est pas gâté. C'est gâté, une fois c'est bon. Vous êtes distrait, quittez là-bas. Bon, OK. Ce soir, dans la télé d'ici port du week-end, confrontation incroyable. D'un côté, les Agbavia, sans qu'on en sache ce que ça signifie. Et en face, les Azalaka Penou, dont on ignore aussi l'essence et le sens. C'est pas le plus important. On va démarrer ici parce qu'on appelle Qui suis-je? Juste après ça. Je vous rappelle le principe. En fait, ce soir, on va afficher des productions de dessins animés. Il faut juste donner le nom du dessin animé en question. Mais il faut être rapide. Il faut actionner le buzzer. Bonne réponse, un point. Les chocolats, ils connaissent les ou pas. Ariel Chéné est déjà passé. Black Eye est déjà passé. Ils savent le principe, il ne faut pas hésiter. Quand vous pensez que vous avez la bonne réponse, tac. Mais dès que vous avez la main, c'est 3 secondes. Vous donnez la bonne réponse.
Première image de ce qui suis-je, de qui s'agit-il? Ou de quel dessin animé s'agit-il? Tom et Jerry. Tom et Jerry. C'est elle qui a la main. Bon point. Mais Gézia, vous êtes du même groupe, il n'y a pas de problème. Vous êtes du même groupe. Allez, on va regarder cette deuxième image et il faudra me dire à quel dessin animé correspond. Dragon Ball Z. Bon point. Bon, là, tu vois, le groupe est déjà. Ça va? Ouais. Faut appuyer. Okay. Donc, dès qu'ils ont la main, ça bloque tous les autres. Oui. C'est comme ça. Mais tu as la main, sa main dessus. Pendant 3 secondes. Mets ta main aussi. Voilà, bien même. Troisième image, c'est qui suis-je? De qui s'agit-il? De quel dessin animé s'agit-il? Naruto. Naruto. Mais ça, c'est Naruto. Il y a un problème là, Longtemps, on n'en a plus. Ok, on va tester. On y va. On va regarder cette quatrième image. De quel dessin animé s'agit-il? T'as vu, c'est du vol. Cinquième dessin animé. Qui s'en souvient? Mais jamais. Non. Faut pas dire. Olivier, c'est quoi des champions? Bon point. Il a dit du dessin animé. Attention, on ne souffle pas dans le public, ok? Sixième dessin animé. Qui suis-je? Tortue Ninja. Arrête ça là. Lula. Trois secondes. Tortue Ninja, mais ça a trois secondes. Trois secondes pour le temps. Tortue Ninja. Bon point. Mais tu as perdu. Tortue Ninja. Je rappelle le score pour l'instant. 6. 0. Rien de ce côté-ci. Je vous l'ai dit, Mbappé. Il a baisé ce qu'il a besoin de dire, c'est évident. Non, ah, ok. Mais comment tu vas vous baiser vite? Non, après, il faut expliquer. Quand tu baises, tu parles après. Il faut répondre en même temps. Septième image. À quel dessin animé correspond cette image? Lucky Luke. Pardon? Lucky Luke. Bon point. Et les Abavia qui enregistrent leur premier point depuis le début de cette rencontre. 6-1. De quel dessin animé s'agit-il? Il n'y a pas quoi d'image là. Oui, mais c'est 3 secondes. Il y a quoi, tu perds la main. Ouais. Scooby-Doo. Bon point. Merci. Tu vois, c'est des voleurs là-bas, ils buzzent avant. Il peut anticiper, mais dans tous les cas, il a 3 secondes. Donc s'il ne donne pas la réponse avant, ça c'est chaud. Neuvième image. De quel dessin animé s'agit-il? Tintin. Je veux le nom exact de ces dessins animés. Le nom exact. Les aventures de Tintin. Bon point. Attends. Je suis encore vous donner réponse. Ce qui arrive là, je ne sais pas. Bon, allez. Qui suis-je? Dis. Jeff Note. Bon point. Vas-y. Je rappelle le score. 7-3. Avant-dernière image de ce qui suis-je. 7-2, échec. 7-3. C'est lui qui a les chiffres. Genchi. Quoi? Il faut dire ce qui vient de dire. Ou bien... Jenki? C'est Jenki le champion. Jenki le champion. Bon point. Allez. La précision. D'accord. Jenki le champion. Champion de boxe, plus exactement. C'est la toute dernière image. Je pense que vous l'avez tous. Il faut être rapide. Courageux. De qui suis? De qui s'agit-il? Kimbo. Bon point. Et même quand dessin animé de quelle année? C'est le premier dessin animé africain financé par Thérèse Houphouët-Boigny. Voilà, on n'était pas nés. Plus exactement par la fondation Ndaya de Thérèse Houphouët-Boigny. Je rappelle le score pour cette première manche. Je suis quoi. Sonia, viens là-bas. 4. On va passer à présent ici à ce que nous on appelle « Connais-tu mon beau pays ?» C'est des questions en rapport exclusivement avec la Côte d'Ivoire. Juste après ça. Question à choix multiples. Je vais vous poser une question. Il y a 3 propositions. Il faudra me donner la proposition qui vous semble être la bonne. Ça va parler des alliances en Côte d'Ivoire. Alliances interethniques? Exactement. Première question. D'après vous, le peuple haïti est en alliance avec A, les Adjoukrou, B, les Didacé, les Sénoufo. Quand on dit vite. Les Adjoukrou. L'Otério. C'est Dida. Bon point. Mais ça, c'est l'Otério en fait. Vous connaissez. C'est normal. Est-ce que vous seriez à même de me dire avec quel autre groupe ethnique est en alliance le peuple baoulé? A, les Anos, B, les Lobis, C, les Wobé. Les Lobis. Les Anos. Bon point. Attends, check.
Les anneaux, là, c'est qui? On peut aller? C'est le parent d'Isabelle. C'est le parent d'Isabelle. On peut continuer. Le peuple saine ou faux, d'après vous, est en alliance avec A, les Abidji, B, les Koulango, C, les Agni. Abidji. C'est le lobby. Le Koulango. Bon point. C'est moi, je suis un vieux, hein, quand même. Hein. Je rappelle le score, 9-6. Oui, Fior? Non, ça va, vas-y, vas-y. Il voulait voir si ça marche. Non, il voulait savoir si entre 9 et 6, ils sont en alliance. Non, non. Si, en plus. Le peuple Gouro est en alliance avec A, les Adjoukou, B, les BTC, les Sénoufou. Les BTC. Les bons points. C'est nous faux. Jamais BTC. C'est un rôle de Gouro. Est-ce que les esclaves? Il est du mausier. Les Sénoufou. Mais oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils disent. Mais les Gouro, c'est esclaves. Chacun est maître de son. Bon, ok. Le peuple Bron est en alliance avec A, les Abé, B, les Anissé, les Aïzi. Les Aïzi. Oui. Les Abeilles. Les bon point. C'est quoi le cri de guerre là-bas? Azaka, Péo. Abavia. Non, vous, allez, vous allez sortir, hein. Mais raison, vous allez sortir, hein. Répétez, allez, non, allez-y. C'est gâté. Une fois en même temps, c'est bon. Mais vous êtes déconstruit. Non, vous avez changé. Tu les terrorises. C'est okay. Gâté, mais c'est pas gâté. C'est gâté. Même pas, hein. Bon, pour l'instant, c'est un peu gâté sur vous, hein. 11-6. Ça va. Le peuple Yakuba est en alliance avec A, les Peul, B, les Nyambois, C, les Néo. Les Néo. Peul. Non mais... Oui mais il fallait qu'elle réponde aussi avec l'accent. Ah le Paul. 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 Mais Dieu, je sais comment on lâche ça. Paul. Faisons un tour du côté des Koyara. Les qui? Koyara. On va parler comme chez les Français. Les Koyaka. Je n'ai pas posé la question encore. On connaît déjà. On y va. Ah les Gagou, Oubi ou les Lobi? Les Gagou. Ah les Gagou. Les Gagou. Non plus. Il y a dit la Oubi. C'est la Oubi quoi. C'est la Oubi. Non. Non, je sais qu'on a dit. C'est la Lobi. Personne ne va dire ça. C'est ce qu'elle a dit. Non, non, elle n'a pas bien dit. Ah ouais. On dit c'est U, non. Moi, il y a une question. La Oubi, là, c'est qui? Ah, donc la Oubi, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ils sont de quel côté de la Côte d'Ivoire? La Oubi. Non, mais non, c'est une question piège. Il fallait choisir entre Oubi, Lobi et Gagou. Non, mais ça n'existe pas. La Oubi, là, c'est qui? Non, attention, on n'a pas dit le Oubi. Elle est quoi? On dit Oubi. Le mot Oubi, c'est quel peuple? C'est un peuple? Ou bien c'est Ou la Guichène. Ils ont Oubi. Ne faites surtout pas attention à ce qu'on dit en ce moment. Hein? Messieurs et dames téléspectateurs, je vais quand même vous rappeler le score. 12, 6. Ils disent. Ils sont pas. Allez, j'ai, je pense, une dernière question pour vous. Dans cette. Catégorie, là. Le peuple BT est en alliance avec A, les Baoulés, les Bio ou les Brons? Les Bio. Bon point, Ariel. Il n'a même pas honte. En fait, moi, il y a le même. Ce qui met un terme à ce test de. Enfin, à ce qu'on a dit, mon beau pays. Je rappelle le score. Et il mange bio. Pour les Azalaka Péon, 12. Et pour les Agbavia, 7. Allez. Bon, ça vous concerne tous, on va parler un peu musique à présent. Ça s'appelle le Blind Live. Je rappelle le principe, bon, l'orchestre, la T-Band va jouer des titres live. Bien. Juste des extraits. Il faudra deviner le nom et le titre. Qui chante? Que chante-t-il? Il faut être alerte. 3 secondes quand on a la main. Ah, juste après ça. Fait, hein. Et puis qui chante? Il dit c'est qui chante ça déjà. Ah bon, qui chante ça? Je sais qui chante. C'est même pas lui. Bon, allez. Premier track de ce Blind Live. Qui chante et que chante-t-il? On l'écoute. Stevie Wonder. Non, dis, c'est toi qui as la main. On est dans les mêmes, la même équipe. Non, mais c'est lui qui a la main. It's Another Day in Paradise. Bon, Wally Phillips. C'est bon? Nice.
Phil Collins, Another Day in Paradise. Un point pour les Azalakapéo. Phil Collins, très bien. Oui, mais tu as dit après, tu n'avais plus la main. En fait, c'est le il suffit pas de dire Phil Collins, il faut aussi donner le titre. Qui chante, ce qui arrive, que chante-t-il ou elle? Je n'en sais rien. Deuxième. Aïe, ma singila. Bon point. Aïe Mama, Singida, bon point. Troisième track de ce Blind Life, qui chante? Baby Philippe. Baby Philippe, béni de Dieu, élu de Dieu. 3 secondes. Baby Philippe, enfant béni. Non, ça, c'est pas lui qui a chanté ça. Ah bon? Baby Philippe, élu de Dieu. Je vais danser ou bien je veux louer un truc. Tu as la main? Baby Philippe, c'est là les titres. Je veux danser. Non, c'est pas ça. Là, on ne souffle pas dans le public. 3 secondes. Alléluia, alléluia de Baby Philippe. Non plus, il n'a jamais chanté ça. Joker. Il n'a jamais chanté Alléluia. Amen. Non plus. Joker. Au pluriel, amené. Joker. La main. Arrête ta blague. Alors vous avez la possibilité de recourir au public. Baby Philippe. Joker. Attends, non, il faut qu'on ait le go d'abord. Attendez, non, attendez. Baby Philippe, reconnaissance. Non. Chevalier. Oui, c'est ça. Chevalier de Dieu, Baby Philippe. Attends. Baby Philippe, chevalier de Dieu. Bon point. Ok. On peut faire. C'est gâteau, c'est pas gâté. C'est gâté. Gardez les yeux. 9, 13. Qui chante ce qui arrive là? Vous l'avez tous, même si c'est récent. Ah, les chansons. Désolé. C'est lui qui a la main. Non, pas vous. Ça passe pas. DJ Mix Twerk. Aïe. Qui est? Non. C'est pas ça? Non, tu peux pas. On ne souffle pas dans le public, hein. On souffle. DJ Mix quand même, non? Oui, mais on dit oui, le titre. DJ Mix Goumet. Non, j'ai dit, on a dit non. Il ne peut pas m'empêcher de réussir. DJ Mix, papa m'a béni. Joker ou pas? Joker, ouais. Pour le Joker. Oracle, Oracle. Non, c'est nous, on a... Oracle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sérieux, les gars, du coupé, décalez-vous. Vous voyez comment vos titres sont. Mix premier qui était live sur la scène. Les gars, du coupé, décalé. Qui était live sur la scène de la télévision et qui nous a rejoué justement l'Oracle, notamment. On va écouter cet avant-dernier track du Blind Live. C'est pas en Côte d'Ivoire pour vous aider. On le dit ça. Mon cher. Ça va dans les amas. C'est moi, j'ai. C'est moi, j'ai. Allez. 15, 9, position stationnaire pour les Agbavia. Avant-dernier track de ce Blind Live. Vous l'avez. Dadju ambassadeur. Dadju ambassadeur. 3 secondes. Dadju ambassadeur. Bon point. Qui arrive, il y en a un autour de cette table qui l'a forcément. S'il ne l'a pas, c'est Ariel, ça. On va le chasser de ce studio. C'est Arafat. Sans aucune chance qu'il revienne. What do you look at me? Non, je regarde tout le monde. C'est que c'est toi qui a composé. Qui chante ce qui arrive là? C'est Arafat. Ça peut être qui au pluriel? Didi B. Trop parlé, hein? C'est ça, non? Non, exactitude dans la réponse, 3 secondes. Didi B, t'as là? C'est Didi B en haut. Pas t'as là. C'est Didi B en haut. On peut l'accepter. En plus, elle est toute.
vous gagnez une partie. Et puis ça veut dire que vous avez choisi. C'est bon. Je te rassure. Je te rassure, il y a un titre qui arrive. Il y a un titre. C'est le titre. C'est le même. C'est le même. Agbavia. Mais comme il n'a pas encore sorti le single, on ne peut pas le jouer. Un peu. Donc ce sera une autre fois. Allons la pub. Merci, Jérôme, tu ne veux plus les jamais. Allons la pub. C'est d'ici porte du week-end ce soir avec Mister Fjord de Björk annoncé du côté du Palais de la Culture de Trècheville pour son premier grand concert ce samedi à partir de 16h officiellement. Lui sera sur scène un peu plus tard. Il attend juste le go du Saint-Esprit, espérant que le Saint-Esprit répondra favorablement à son appel. Autrement, il risque de ne pas avoir de concert, si on a bien compris son propos liminaire et introductif de tout à l'heure. Sonia est avec nous également. Sonia qui aujourd'hui se bat pour obtenir certainement la première victoire de la saison. On croise les doigts pour que ce soit le cas. À ses côtés, Mr. Ariel Cheney, dont la toute dernière production s'est offolée avec Kofi Olomide. Un clip qu'on vous invite évidemment à aller voir, à revoir sur YouTube. Un clip de très belle facture. En face, Saf le King, qui sort d'un palu, voilà, après un excès de travail, en préparation donc de son concert. Mais ça va aller, ça va aller. Glisse la glissaille à ses côtés. Et puis, pour compléter le tout, Black Car, qui sera d'ailleurs live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici porte du week-end de nous, je vous rejoindrai. On s'en va là-bas comme ça, et puis Sadio Mané. On a planté le décor. Confrontation ce soir, Agbavia et Azalaka Peun. Deux plochos ou deux plochos? Deux blochos. Deux blochos. Plochos. Voilà. Ah, c'est plochos. Bien dit, ouais. C'est pas plochos. Non, on connaît. C'est vrai, c'était deux plochos. Deux. C'est bon, allons. Mais on sait tout ce que ça veut dire. Mais comment tu nous renverser? Ah, mais c'est très bien, parce que là, maintenant, ce qu'on va faire, on va renverser les chansons. Ça s'appelle la chanson inversée, pour de vrai. On va jouer des chansons à l'envers, il faudra deviner qui chante et ce qu'il chante. Juste après ça. La chanson inversée, j'ai pour vous ce soir 7 titres, 7 tracks. Même principe, il faut deviner qui chante et ce qu'il chante. Premier track, on écoute. Bouga, Kiss Daniel featuring Techno. Bon point. Deuxième track de cette chanson inversée. Un point pour les Azalaka Peun. Je rappelle le score. 17-10 pour les Agbavia. 7 points d'avance. 7 longueurs d'avance. Qui chante? Il est leader. VDA. Quoi? Tiens, moi, pas comprendre. Roger? Non, je ne pas. VDA, mais je ne sais pas le titre. C'est VDA, mais le titre, là, c'est chaud. VDA loger. On va les loger. VDA UE. Non, c'est l'eau. VDA logé. Mais c'est ça. Ou bien, c'est quoi le titre? J'ai dit, c'est pas ça. VDA, VDA ils seront logés. Bon point. VDA, ils seront logés. Un point pour les Azalaka Peunistes. Enfin, l'équipe des Azalaka. Azalaka Peunz. Voilà. 18. Qui chante? Très connu. Qui chante? Last Life. On peut donner. Il peut refaire. Ok, allez, c'était bon. Burna Boy, last. Marquez un point précieux, vous êtes désormais à 11. On va écouter ce... Voilà,
Ça se rapproche de ce que faisait Fier de Vier tout à l'heure. Ouais, non, mais pas exactement, mais voilà, c'est ça. Las, las. Ça donne de beaux titres. Qui chante ce qui arrive là? Attention, on laisse concentrer. Vous l'avez tous. Ça ferait tchou-tchou. Oh, j'aime même pas ça, c'est Blanc Boudet. C'est quoi le titre? Ça ferait tchou-tchou. Non, elle a, non, c'est bon, elle a, elle a bon. Safarel, chouchou. Oui. Okay. Bon point. Voilà, bon, chouchou, Safarel, fut team de poi. Oui. 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 Bon. De toute façon, c'est très bien. Vous qui passe, là. On va écouter ça. L'avant, avant dernier track de cette chanson inversée. Qui chante? Que chante-t-il? Featuring Kofi Olomide. Featuring qui? Kofi Olomide. Waouh! Bon point. 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 C'est bon. C'est la conique, tout ça. Non, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, attention. Ça veut rien dire dans cette émission quand on est à 20-11. Parce qu'après, il y a deux autres rubriques où, au lieu de gagner des points, on perd des points. Donc, quand on est à 20, on peut être à 0. Ouais. Et même à moins. Moi, on continue vous là-bas. Hein. Non. Qui chante ce qui arrive? Et que chante-t-il? Chanson inversée. Avant-dernier track. Le son qui vient de passer, rappelle-moi le titre, et puis il pense à Godo Godo. Lui-même, ça, il est. Mais moi, je pensais que c'était à Godo Godo. C'est normal, non, il prépare tellement son conseil qu'il n'avait mais rien. On peut comprendre ça. Bon, allez, c'est le dernier track de cette chanson inversée. On sait déjà, c'est le track de qui? Donc ça, c'est le Willy John John. Voilà. Il a appuyé, il a dit qui? Ouais, non, c'est il a dit bon. Qui? Moi? Oui. Je sais pas. Ça va pas, oui, quoi. Il y a un truc, ouais. Bon, qui chante là? C'est le dernier track. On écoute ça. Sonia. Sadio Mané. Non, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Non, laissez parler. Bon point. Mais j'ai l'air mais dis-moi, tu dis. Ce qui met donc... Ce qui met un terme à cette chanson inversée. 20 pour... 21, autant pour moi. D'accord. Pour les Azala Capenou. Et 12 pour les Agbavia. On va à présent tester votre culture générale. Question de culture générale. C'est vous. Juste après ça. Et nous tous. Attention à cette question. Non, non, on gagne. Là, là, on gagne encore. Alors, parfois, je vais vous poser la question. Il y a trois propositions chaque fois. Première question. Quel est, d'après vous, de ces trois mots ou adjectifs, quel est le synonyme de ridicule? A, vaniteux. B, téméraire. C, ubuesque. Ubuesque. Bon point. Question d'orthographe. Une belle-mère est aussi appelée A, la marâtre. B, la marâtre. C, la marâtre. Quelle est la bonne orthographe? C, la marâtre. Bon point. Ça, on va gagner. Elle est dictée, là, mais c'est là. Quelle est la bonne orthographe dans la phrase suivante? La banane est mûre, il faut la manger. A, B ou C? Avec chapeau, sans chapeau ou les deux options? Les deux. Tu n'as plus la main, Sonia. B. Non, Ariel, tu as la main? B. Mûre, c'est moi qui ai la main. Non, c'est lui qui avait la main. Il avait la main, il avait la main. Mauvaise manipulation. En désactivant la dame en vert. Merci 23, 13. Quel est le genre grammatical du mot tubercule? D'après vous, est-ce qu'on dit est-ce masculin, féminin c'est ou masculin féminin. Et féminin? Ah, on dit un tubercule, une tubercule ou les deux? Une Sonia. Tubercule, non. Eh bien, tubercule, ben, c'est beaucoup. Les deux. C'est les deux. Aïe. Non, c'est bon, c'est bon. C'est A. Oui, c'est A. C'est A. Ah, mais c'est pas un. Ça ne va que de point. Un tubercule. Ah, bon, fallait dire.
Mais comment on peut dire les deux? Nous, c'est les bêtes. Ah, les deux sœurs, il y a des mots qui prennent. Mon peu, il y a des mots. Oh, Ariel, il y a des mots qui prennent les deux. Pardon. Que fait, la menthe religieuse après l'accouplement? A, elle dévore le mal. B, elle meurt. C, elle dévore le mal. Elle mue. Ah. Ah, bref, là, il y a saute. Ah! Bon point. Ah, d'abord, les deux sœurs. Il a dit la saute. Il voulait dire, mais il n'a pas dit. Il a dit annoncer grossesse. Elle saute. Après le truc, elle saute. C'est ça. Quel est, d'après vous, le super pouvoir de Batman? A, il s'envole. B, il a 8 vies. C, il n'a aucun super pouvoir. Bon point. Sept. Selon ou d'après l'expression, une personne très mince a une taille B de moustique. A, moustique. B, de guêpe. C, le bourbon. B. Bon point. Dans quel pays peut-on visiter le Taj Mahal? En Chine? En Inde ou au Maroc? En Inde. Bon point. Ah, les gens, j'ai fini. Dernière question de ce test de culture générale. Ce sera tout pour le test de culture générale. 25 poulets à la Cameroun. Non, c'est bon. Je connais non, pas 25, encore. C'est pas une question. Hein. Non, j'ai dit 25, il commence à appuyer. 25, là-bas. Et vous, vous êtes à 15. Toujours 10 points d'avance, oui. Oh. Il vous laisse saluer. On va passer à présent ici à ce qu'on appelle « Arrête-moi si tu peux ». Je vous rappelle le principe. Mais il y avait confiance dans ce là-même. Je vais, vous allez désigner quelqu'un de part et d'autre. On courut, quoi. Non, non. Okay, non, il n'y a pas de course. On commence par chien. On va bavarder pendant deux minutes. Mais il faut suivre, ça, c'est important. On va parler pendant deux minutes. Pendant les deux minutes, il ne faut pas redire... Sonia, pendant deux minutes, il ne faut pas redire un mot, une phrase que tu auras toi-même déjà employée dans la même conversation. Voilà. Par exemple, si tu dis « ok », tu ne peux pas redire « ok ». Ça dure deux minutes, ce n'est pas long. C'est bon? Juste après ça. Vous deux qui allez faire. Je rappelle que vous avez la possibilité de gagner deux points. Si vous arrivez au bout. Okay. Vas-y. Des deux minutes. Sinon, vous faites perdre un point à votre équipe. Ce sera qui? Du côté des Agbavia. On la donne, prenez. Non, chacun passera. Il faut un représentant de part et d'autre. Bon, la tante. Non, la tante joue pas. Les deux tantes jouent pas. Les deux tantes jouent pas. Le tonton. Vous deux, vous êtes le tonton. Ok. Ce sera Ariel. Et du côté des Azalaka, Péon. Blaga. Blaga. D'accord. Allez, vous en tchou, hein. Bon, très bien. On va lancer le chrono avant. Et on va démarrer par qui? Non, on n'a pas commencé. Vas-y, tu sais. Blacka. Non, okay. Vas-y. Okay. Vas-y, bon, allez, on démarre avec Ariel Chenet. Je vois de quoi il s'agit. Avant de prendre la parole, il faut activer le buzzer et dire voilà. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Ça va, Ariel? Très bien. Tu peux me rappeler la date de ton dernier concert? Juste pour tester si tu as encore de la mémoire. Hein. 2 novembre. Sonia, on ne souffre pas. 2 novembre. Ça fait 2 fois 2 novembre. Non, mais... Allez, on ne répète pas. On ne répète pas. Vous tombez à 14. Je ne connais pas encore. Mais il a fait combien de secondes? 2. C'est mort. 2 novembre. Vous tombez à 14. Je vais me tourner à présent vers Blacka. Même principe, arrête-toi si tu peux. Si tu peux. On va déclencher le chrono à présent pour monsieur Blacka. Ça va, Blacka? Ça va très bien. Ça t'a pris combien de temps pour avoir tous ces dreadlocks? 12 ans. Non, ce que je veux dire, en fait, il te faut combien d'années précisément pour pouvoir les avoir? Ça dépend. De quoi? De moi, des produits que je mets dedans. Tu mets quoi comme produit, par exemple? Des pommades. Ces pommades lisses, mous, chaud, froid? Ça rend ça long. Ouais. Ah, ça, c'est long, hein. Ça mesure combien, ça, hein? ça devient ça, joli. Ça, t'as du mix. Ça. Bon, allez. Bien vu. Vous tombez à 24. J'entends, il dit, il a duré moins que toi. Il faut refaire un jour. 24-14, oui. On va donner enfin deux trucs pour le bonheur. Ça, du côté des Azalaka Péon. On a gain. Et Fio. Non, vous n'avez pas gain. Tu as gain, quoi. On va pas revenir. Tu dois tenir les 2 minutes, c'est ça? C'est 2 minutes, mon vieil.
Elle n'a pas fait un truc. Arrêtez pour toi. Ça. Bon, demain, pas ça. DJ ou bien. Pour changer un peu la tendance. Arrête-moi si tu peux. On va déclencher le chrono pour Saf le King. Ça vient d'où Saf le King? Saf King. Pourquoi King en fait, je veux dire? Roi. Ok, mais roi de quelle tribu? Des Zoulous ou bien des. Ou bien le roi des Ashanti, le roi de des trucs, en le fait, roi de des. De mon mood. Merci, au revoir. Deux fois mood. Ah, t'es un moodiste. Voilà, quand on se calme, on verra un stylo. Vous tombez à 23. C'est génial. Ça va. Il dit, il faut le faire voyager. Vous dormez. Okay. Donc, 23. Vous dormez. Okay. 23. Il est hors sujet. 14. Il faut le voyager. Fier de bien. Allons-y, taquet. Non. Arrête-moi si tu peux. Faut m'attraper, on voit. Non. C'est pas arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Voilà. Allons. Top chrono, Fier de bien. Il va le prendre lui-même. Ton dernier titre, c'est lequel? Sois Lélé. Comment? Sois Lélé. Non. Pour le kiff, il devra reprendre. Attends, non, il n'a pas bien compris. Arrête-moi si tu peux. D'accord, très top chrono. Tu peux me rappeler pourquoi Fier de Bior? Tu avais donné une explication intéressante. Mais Bombarada. Pardon? Tanti Mandela. C'est qui Tanti Mandela? Aya. Mm-hmm. Parce que souvent, Île du Nord, c'est bizarre. Ouais. Si c'est bizarre, c'est ça mal fait. Ça fait deux fois bizarre. Je vous fais la confidence. Dans tous les commentaires, les informations qui me sont parvenues sur Facebook, on dit non, on attend la venue de Fier de Bior. C'est lui qui a tué ce jour-là. Vous l'attendez, c'est vrai. Effectivement, il a tué, mais dans l'autre sens. On marque une pause. On revient dans quelques instants. À suivre le one-to-one et à la queue leu. À tout de suite. Aïe. Sur le plateau de la télévision Sport du week-end, toujours en compagnie de Ariel Chenet, Safarel, Obiang, Black K et Fior de Bior, annoncé pour la Sala Nouabo. Pas l'esplanade, hein, Sala Nouabo. Palais de la culture. Sala Nouabo. Sala Nouabo. Ok. Tu vas chanter combien de temps? Une heure. Soit allez. À 1h30. Il y aura des guests ou pas? Tu as les Gaulais qui arrivent? La crème, tout le monde, tous les doigts ici présents. Ah, ils seront là? Oui, bien évidemment. Présence confirmée. Ouais. Tu peux me faire un petit freestyle quand même pour voir. Laisse, il y a tout fait. Ça fait qu'il y a mon père dans les mots. Non, fais un petit truc là. Ils sont pères. Ça va bien. Ça va ensemble. Bon, pour ne pas que nous nous en perdions dans cette affaire, je propose qu'on revienne aux choses les plus essentielles. Ce qui va se passer maintenant, ça s'appelle le one-to-one. Jusque-là, vous répondiez chacun comme ça, de façon pêle-mêle. Une réponse de Fier de Bior était valable pour tout le groupe. Mm. Là, c'est les questions individuelles. Mais vous êtes face à votre destin. Ce n'est plus valable pour le groupe. Oui, vous allez baiser, ne vous en faites pas. Juste après ça, ça s'appelle le one-to-one. C'est chic. Extinction totale des lumières. Et je vais me tourner à présent vers Fior de Bior pour le début de la série. Avant de prendre la parole, il faudra donc évidemment actionner le buzzer. Première question, ça va parler d'orthographe. C'est juste une phrase. Écoutez, grammaire. Ça, ce sera après, la prochaine fois. Phrase toute simple. Non, il n'a pas encore dit. Il a écopé d'une amende pour avoir détourné des sacs d'amende. Ça s'affiche à l'écran. Non, pas la COPEC. Il a écopé d'une amende pour avoir détourné des sacs d'amende. Comment écris-tu les deux amendes?
comme Amandine. Mauvaise réponse, moins deux. Tu actionnes le buzzer avant. Comment tu as écrit le premier Amande? Amande comme Amandine. Je rappelle que tu as 30 secondes. Oui, bon, il y a appelé ça comment? Amande, là, je commence. Amande, c'est A, M, c'est E, c'est ouais. N, c'est D, c'est E, comme okay. Amandine. Ça, c'est le premier. Et le deuxième? Il y a quoi encore? Amande. Amande. Ouais, pour avoir détourné des sacs d'amande. Sac. D'amande. Sac, là, tu as vu le sac. 15 secondes. Bon, reformule ta question. Il a écopé d'une amende pour avoir détourné des sacs d'amande. Comment écris-tu le deuxième amende? 10 secondes. Ce sont des fruits, le sac d'amande. C'est un ouais. Sac de fruits, les amandes. Oui, amandes, ouais. On ne souffle pas. Donc c'est amande. Amande, amande, des sacs d'amande. Les deux sonnent pareil. 5 secondes. Mais ça dit A, M. Moi, je peux répondre. Non, c'est lui, c'est one to one. A, M. Je ne sais pas le groupe. Et A, N, D. Ce sera tout? Ce sera ton dernier mot? Ce sera ton dernier mot? Je crois. Hein. Je peux te le concéder. En fait, c'est au pluriel. Un sac d'amande, il y a plusieurs amandes. Donc, je pose cette demande, il y a combien de dents? Je vais te le concéder. Là-bas, monsieur. Exception. Extinction Lumière, suis fier de bien, je vais me tourner vers Sonia Guiza. Hey, on ne veut pas jouer. Sonia, dois-je être gentil ou pas? Gentil, s'il te plaît. Faut que je sois gentil. Très bien. J'ai cette phrase pour toi. Ces airs errent dans la forêt à la recherche de leur mère. Comment écris-tu les deux R? Buzzer avant. Mais la phrase n'est pas encore affichée. Ces airs errent dans la forêt à la recherche de leur mère. 30 secondes, buzzer avant. Tu sais même pas qui c'est. 25 secondes. Au pif, hein, ces airs. Je suppose que c'est des airs de musique. A-I-R-S. R. Ça va, comment on écrit ces airs. 15 secondes. À la recherche. Césaire. Césaire erre dans la forêt, à la recherche de leur mère. 10 secondes. E accent grave. Non, E accent. Le chapeau là, comment on dit ça? Circonflexe. R, E. N. Ah, c'est pas ça. C'est pluriel. Vous tombez à 13, moins 2. Fallait dire H, E accent grave, R, E, S, Césaire. R, ah. Le verbe errer au pluriel, ouais. Troisième personne du pluriel, dans la forêt à la recherche de leur mère. Extinction Lumière sur Sonia. Je vais me tourner à présent vers Ariel Chenet, qui s'apprêtait il y a quelques instants d'aider son collègue, Pierre de Bior. Ben, il est face à son destin ce soir. Je n'ai pas dit ça, moi. Il y a de l'air, plutôt simple, il y a de l'air frais sur cette air de repos. Comment écris-tu les deux R? La première R de Nyomi d'abord. C'est pas toi. 30 secondes. On va actionner le buzzer. Oui. Il y a de l'air frais sur cette R de repos. Premier R. Premier R, A, I, R. Deuxième R. Deuxième R. On ne souffle pas, Pierre de Bior. 15 secondes. A, I, R aussi, je pense. Ce sera ton dernier mot. Sonia, calmons-nous, vous êtes passé complètement à côté de la plaque. Il ne faut pas induire votre voisin en erreur. Ce sera ton dernier mot. Non, non. 5 secondes. Deuxième R. Deuxième R. A-I-R-E. Ce sera ton dernier mot. Ouais. Vous tombez à... 11. Deuxième R, A-I-R-E. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça. Bah, il a dit ça. Vous confirmez? Bah, oui, il a dit ça. Bon, OK, bon point. Merci. Vous remontez à 14. Extinction Lumière sur Ariel Chenet. Je vais me tourner à présent vers Saf le King, pour qui j'ai une phrase plutôt belle. Rien de compliqué. Le jardinier de la basilique
a planté du basilic à petites feuilles pour repousser les mouches. Comment écris-tu les deux basilic? Le jardinier de la basilique a planté du basilic à petites feuilles pour repousser les mouches. Je ne connais pas. Hein. Buzzer avant, vous dites je ne connais pas. Je ne connais pas. Ce sera ton dernier mot? Oui, ah oui, je ne connais pas. Vous tombez à 21. Fallait juste dire basilic comme la basilique de Yamoussoukro, B-A-S-I-L-I-Q-U-E, et plus loin, basilic, les feuilles de basilic. J'en vois Glisse qui sourit parce qu'elle aurait aimé avoir cette phrase-là. Je te jure. Mais j'ai une belle phrase pour elle. C'était pas juste. Alors, Glisse, plutôt simple. C'est vrai? Oui, je suis gentil ce soir. Ce marchand de tableaux d'art a pour habitude de verser des arts aux marchands. Comment écris-tu les deux arts? Deuxième A, là, c'est compliqué. Hein. Le premier, c'est quoi, déjà? A-R-T. Le deuxième, on va dire quoi? A-2-R-E-S. Ce sera ton dernier mot? Buzzer avant. Ouais, pas. Dommage. Deuxième A, fallait dire A-2-R-H-E-S. Ah, non, je connais. Plutôt connu. Franchement. Vous tombez à 19. Plutôt quoi? Il dit plutôt connu. Oui, pas qui. Merci des arts. Extinction de lumière sur Glisse. On va se tourner vers... l'auteur du Sadio Mané et de « On s'en va là-bas comme ça ». Puisque nous y sommes, n'allons pas là-bas comme ça. Restons comme ça ici. Dans l'antre du loup, il s'est retrouvé entre la vie et la mort. Comment écris-tu les deux « entre » Buzzer avant. Comme c'est facile, faut me donner les phrases. 25 secondes. A, N, T, R, E. Premier « entre ». Oui, et deuxième « E, N ». T-R-E. Ce sera ton dernier mot? Yes, I. Bon point. Yes! Yes! Il allait là, il allait un peu loin à l'école, on dirait. Je rappelle le score. 20. Quelqu'un qui était maître des maisons. Pour les Azala Kapéou. 14 pour les Agbavia. Que la lumière soit. Allez, plus besoin de buzzer. C'est la dernière épreuve avant de se dire au revoir et avant d'attaquer le live de Black K. Ça s'appelle à la queue leu-leu. Je vous explique après ça. Faut bien écouter. Rien de compliqué. C'est un peu drôle parfois. Je vais donner un mot pour commencer. Celui que je désigne devra utiliser le mot que j'ai donné. Il va utiliser la dernière lettre du mot pour construire un autre mot. Exemple. Je dis polo. Ça se termine par O. Si je te désigne, tu dois dire, par exemple, ordinateur. Oh. Si je désigne ensuite Fior de Bio, il doit prendre le R de ordinateur, parce que ça se termine par R. Rachel. Pour construire un mot. Donc, non, il va dire... Pour... Non, justement, pas de prénom, pas de nom propre. Tu peux donner des noms de pays et tout. Pas de conjugaison. Mais on peut employer le participe passé. Donc, on ne peut pas dire « vais », par exemple. On peut dire « aller ». Comment savoir que le participe est passé? Et on est si là au présent. Si tu dis « chanter ». On est bon sur le principe, c'est bon? Blacka, c'est bon? On est bon sur le principe? Ouais, tranquille. Hein. On est bon sur le principe? Ok. Bon? On est bon, on est bon. On va y aller. C'est bon, combien de minutes avons-nous pour boucler cette affaire? Je rappelle le score. 20-14, 3 minutes de tour de table. Attention, quand vous ne trouvez pas, mauvais point, moins 1. On gagne plus de points là. Je dis... Glisse, parfum. Marie. Sonia. Italie. Parfait. Glisse. Électrique. Sonia. Élévation. Ariel. Notamment. Super. Black Car. Total. Super. Fior de Bior. Latterie. Quoi? Latterie. Il a dit la trine. Non, il dit la trine. La trine. La trine, c'est le nom de quelqu'un. Non, mais il a dit la trine. Attends, il dit boulevard la trine. Pardon. Glisse, il est dans le train. Il dit boulevard la trine. Safarel. Bouton. Bouton. N. Non. Ça se termine par N. On ne souffle pas, madame. Je reprends. Ah, perle, là. Non, je reprends. Safarel, sorcier. Sorcier. 3 secondes pour répondre. 3 secondes. Oui. Ah, c'est bien passé, ça. Sorcier. Moins 1. Vous tombez à 19. Fior de Bior, je te regarde, mais je pense à plutôt Blacka. Je dis collier. Tisserand.
Non. Mais t'en veux, c'est pas pour nous. Mais c'est pour nous. Tu connais ça, y'a pas terre à faire. Mais de maison. Va bon collier. Ariel, j'ai dit bouclier. Ramassage. Super. Sonia. Éléphant. Glisse. Tami. Parfait. Glisse. Syllabe. Sonia. Élève. Fior. Éléphant. J'ai déjà dit. Ok. Déjà dit. Bon, on ne répète pas. On ne redit pas un mot qui a déjà été employé. Il ne savait pas, non, ok. Moi un. Il ne savait pas, non. On ne redit pas un mot déjà employé. Ok, on y va. Je te regarde, je te dis agouti. Ivre. Super, d'accord. Ouais, moi, tu es. Ivre. Élément. Ok, saf. Élément. Quoi ça? Élément. Moins un. Vous tombez à 17. 17, 13. Je dis, Sonia, je regarde, je dis vert, la couleur. La dernière lettre du mot. Travail. Glisse. Travail. Lumière. Blaka. Lumière. Épervier. Ok. Fior. Épervier. J'aime bruit. Ration. Super. Ariel. Ration. Nerveux. Saf. Nerveux. Il peut l'aider. Non. Nerveux. Xavier. Non. Vous tombez à 16. 16-13. Zo. Gâteau, mais ça va regarder. Je glisse, je dis rouge. Et pris. Black. Voilà. Tu as dit repris, c'est ça? Et pris. Et pris. Ok. Black. Ça va être où, j'ai quoi? Moins 1, vous tombez à 15. 15-13. Fior, je te regarde et je dis. C'est tout pète, c'est noir, la couleur. C'est un isbet, mais. C'est quoi, un isbet? Râteau. Ok. Blacka, râteau. Râteau. Oui. C'est au pluriel, bien sûr. Pluriel, il y a beaucoup de râteaux. Xylophone. Super. Xylophone, Ariel. École. Ok. Sonia. Étudiante. Ok. Glisse. Énervement. Ok, saf. On ne souffre pas. Quoi? Énervement. Moins un. On est à 14-13. Dernier tour de table. Restons concentrés. Dernier tour de table. 14-13. C'est jouable. Ça passe ou ça casse. 14-13. À nous. Oui. Aïe. Il passe pas là. Et il a ajouté une nouvelle question. Ariel, je te regarde. Je pense tout de suite à Saf. Mais je pense plus à lui. Je pense à Fior. À qui je pensais il y a une seconde, mais je pense plus à lui. Je pense plutôt à Blacka. À qui je vais dire mèche pour Sonia. Élévation. Glisse. Naturel. Sonia. Élitiste. Glisse. Épuisement. Fior. Torturement. Ce sera tout pour la télédisciplinaire du week-end. Dans quelques instants, je vous dirai qui a remporté cette bataille. On marque une pause, restez avec nous. Black Castle Live dans quelques instants. Tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici, porte du week-end. Excellent moment, hein, moment sympathique. On va faire avec deux formations. D'un côté, Agbavia, amené par Ariel Chenet et Fior de Björn. Fior de Björn qui est annoncé pour la Salade Mambo du Palais de la Culture ce samedi. Son premier véritable concert. 1h, 1h30 de spectacle. Il promet de mettre le feu avec toute la génération, avec les guest stars, les vieux morts, comme il a dit et tout. Tanti Mandelin, c'est là aussi ou pas? Ouais, tout le monde. Ou bien la cousine Aya? Ouais, tout le monde. Agbadagba, il y a où il volait des cadenté. Ça, c'est normal, mais la rubrique, on se reprend, toi et moi, il était guette. On va dire bonne chance à Fior de Bure pour samedi. Sonia, on se dit à lundi. À lundi. Ariel, bonne chance pour ton follet. Hein. Oui. Ça suit son coup. Hein. Non, je crois qu'il y a combien de plus de 1 million là. Oui, ouais, exactement. Presque 2 millions. Presque 2 millions de vues donc à ce jour. Génial, ça. Saf qui sera là la semaine prochaine dans la télé d'ici, oui. Pour un live. Voilà. Voilà, on va voir ce que ça donne. Saf le King, live sur la scène de la télé d'ici. Parce que c'est différent du Palais de la Culture. On verra. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Saf. Gliss, on se dit à lundi. À lundi, Cheikh. Évidemment, je me fais fort de rappeler le score de cette confrontation. 12 pour Agbavia,
14 pour les Azaraka Péhoun. On se retrouve lundi, on vous laisse avec l'inspiré Black K, qui est parti déjà là-bas comme ça, et qui va rendre là-bas aussi un hommage à Sadio Mané. Ce sont les deux titres qui nous jouent ce soir live sur la scène de la télé d'ici Porte du Week-end. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Nous on veut s'amuser, et chaque jour on se réveille là. Hein? Si.
on veut s'amuser. Mais nous on veut s'amuser. Ma chérie, tu vas pas couler. On dit il est revenu. La petite est partie là-bas, il a enceinté. Cette année c'est bien dosé, il s'est pimenté. On dit la boîte de nuit est gay. On s'en va là-bas quoi. On s'en va là-bas quoi. A bien dosé, a pimenté. C'est où ça? Elle est pékinaise. C'est pas compliment, c'est joliment dégalaise. Ouais, et tout. Nos dames dans cela, la relation est à faire. Il dit il achetait une nouvelle caisse. On arrive là-bas, c'est pour mettre l'argent. Il dit il est gazon, puis la nuit s'adore. Le show est chaud, de bien à croissant. Mais si à maqué, coupon gagnant. La vie de waouh. On veut s'amuser, nous on veut s'amuser. Mais chaque jour on se réveille là. On veut s'amuser, nous on veut s'amuser. On s'en va là-bas quoi. On s'en va là-bas quoi. On s'en va là-bas quoi. On s'en va à bien doser. A pimenté, mais c'est où ça? Néanmoins, on s'en va là-bas quoi. On s'en va là-bas quoi. Tant que quelqu'un n'est pas mort dedans, vous n'allez pas arrêter. Waouh! Donc quelqu'un est mort, hein? Bon, on s'en va. On s'en va là-bas quoi? On s'en va là-bas quoi? On s'en va là-bas quoi? A DJ Ives, you go faster. And together, we go further. Have a great night. Chaussé. Chichi. Chichi. A bien dosé. A pimenté. Mais c'est où ça? On s'en va là-bas, quoi. Merci beaucoup, la famille. Black Car, l'inspiré Black Car. The very stylish Black Car aussi. Tu connais pas encore? Ouais, maintenant je connais. C'était cool. Good job, merci de l'applaudir.